Y a-t-il pour vous aussi des jours où l'on ne sait pourquoi tout nous sourit et pourquoi tout nous plaît? Toutes les nouvelles sont bonnes, le ciel est sans nuages, le bonheur en personne nous invite au voyage. Pas de bas, juste des hauts, que des bons numéros. Pas de bas, juste des hauts. Bonjour les talents apports et bonjour les talents zingouettes. Et bienvenue dans un coup de chapeau spécial, Monsieur Contran. Monsieur Contran est un artiste, auteur, compositeur et interprète, très prisé par les talents, mais également par les apports sur talentzapping.com. Et il nous propose des clips vidéo qui sont vraiment magnifiques, fantastiques. Et je commence ce coup de chapeau avec un petit extrait d'une vidéo qui s'appelle Déjà 16 ans, où il chante avec sa fille. Et d'ailleurs, un petit secret, c'est la chanson préférée de Vincent Klingbeil, le patron de Talent Zapping. Allez, c'est parti, j'ai déjà 16 ans. Loin derrière les souvenirs, déjà 16 ans qui nous unissent, toujours 28 qui nous séparent, les liens qu'on tisse de part en part. Regarde comme ils grandissent, déjà 16 ans qui nous unissent, toujours 28 qui nous séparent, les liens qu'on tisse de part en part. Jamais ils ne vieillissent. C'est bien ce qu'il fait M. Gontran, non? Avec sa fille, formidable. Mais dans la famille, eh ben, on va retrouver Madame Contran et Monsieur Contran. Quand loin de toi dans mes songes, parfois je me réfugie. Dans mes rêveries tu plonges, à ton tour tu m'oublies. Quand vers toi je m'en reviens, qu'à ta rencontre je vais, je te trouve à mi-chemin, tu as fait la moitié du trajet. De ce synchronisme, quelle est la cause? Est-ce par mimétisme ou par osmose? C'est génial, hein? Ben moi aussi j'adore. Et ben si vous avez envie de le retrouver, vous pouvez le retrouver sur son site internet www.gontran.fr et également télécharger ses chansons sur internet, également sur iTunes et sur Fnac.com ou également sur Talent Zapping. Allez, c'est parti, on va écouter d'autres morceaux, d'autres extraits de clips. C'est parti. Le vendredi avec Gabriel, on marche à l'hydromel, l'amitié ça s'entretient tous les jours et au quotidien. Mais comme on est économe, le week-end on consomme les restes de la semaine pour aller jusqu'à la prochaine. Dans cette histoire en substance, pas de jeûne ni d'abstinence. Mais ce qui m'attriste et me peine, c'est qu'il n'y a que 7 jours par semaine. Les cimes qu'on aurait pu atteindre, les lueurs qu'on a laissées s'éteindre, les règles qu'il eût fallu enfreindre, les attitudes qu'on a cru bon de feindre, les eaux où l'on ne sait pas jeter, les vents qui ne nous ont pas portés, les feux qui ne nous ont pas brûlés, les terres que l'on n'a pas foulées, les départs que l'on n'a pas pris, la chance à qui l'on n'a pas souri, les ponts que l'on n'a pas franchis, ces projets tombés dans l'oubli. Tous ces objets chargés d'histoire, s'ils pouvaient nous parler, ils reviendraient à leur mémoire, tant et tant à nous raconter. Tous ces objets qui ont vécu, qui ont une âme et un passé, mais de tout ce qu'ils ont connu, rien ne nous sera révélé. Par ce doux mirage qui nous enivre, on patiente, on reste sage, l'espoir fait vivre, on se nourrit d'illusions, on attend notre tour et l'on rêve d'évasion, que vienne le grand jour. C'est sympa quand même tous ces extraits de clips, non?
Eh bien, moi, je vous dis au revoir, à bientôt pour un nouveau coup de chapeau sur talentzapping.com et on va vous quitter sur un dernier petit extrait de Monsieur Gontran qui s'appelle l'horoscope. Allez, au revoir et à très très bientôt. Et encore coup de chapeau, Monsieur Gontran. Allez, au revoir. Est-ce que les astres tirent des plans sur la comète? Les fils de l'avenir sont des marionnettes. Bonnes ou mauvaises étoiles, est-ce que tout est écrit dans les bouts de cristal? Que voit-on?